la famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, regardez-moi ça, je vous ai mis de la couleur de haut en bas pour vous envoyer tout plein d'ondes positives. Voilà. Alors, on va se retrouver pour la suite de mon haul nose qui était consécutif au partenariat. Donc, le temps que j'avais laissé au partenariat, eh bien, ce sont les articles que j'ai pas pu vous présenter. Également, j'avais supprimé un haul tout simplement parce que j'avais pris du retard avec les arrivages nose et en fait, j'avais jamais remercié, enfin si, mais j'ai supprimé le haul. Donc, j'ai pas remercié Aurélie donc de la chaîne Lilyfleur 72 pour sa très jolie carte ainsi que son très joli phare Kiko. Donc, merci à toi. Tu avais gagné, c'était tout à fait normal. Tu n'avais pas besoin de me renvoyer quelque chose. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir ta petite carte. Attendez, je vais vous montrer parce que je crois bien qu'on appelle ça une petite fille Georgius. Et il me semble ne pas vous avoir présenté quelque chose. Oui, en effet, maintenant je serai beaucoup moins statique dans les hauls et en fait, je vous avais pas présenté le haul où j'avais acheté cette très jolie petite sacoche de la marque, je sais plus du coup, je crois que je vous ai gardé le prix, avec la petite fille comme vous avez vu je pense sur les cartes qu'on appelle Georgius. Donc ce sont des petites trousses qui étaient à 9,99 €. Et en fait, je me suis dit que j'allais les mettre dans mon décor. Voilà. On va commencer par l'alimentation. Je sais, ça fait drôle de voir des all-in-house. Voilà, mais il faut comprendre. Hein. Les arrivages se sont cumulés. Je les laisse 3 semaines. Puis bon, après, ben, j'ai des sacs qui traînent. Alors, on va commencer par l'alimentation. Donc, j'ai repris de la marque Dossi parce qu'on adore 1,50 € ce petit mélange. Donc, qui était poivron, pomme de terre. Et justement, mes hommes l'attendent. Donc voilà, le soir ça fait un bon accompagnement mélangé à du riz, des pâtes et vous avez un repas. On a également pris des haricots beurre blanc, très fins. Alors apparemment il n'y a pas de marque et ils étaient à 69 centimes. Et toujours au niveau des légumes, on a pris des petites pommes de terre de la marque Dossi. Je les prends très très souvent d'ailleurs, vous les voyez souvent dans les hauls. Toujours au même prix. Et également, alors là, il n'y a pas de prix, bah, tant pis, c'était des champignons de Paris. Il n'y a que Monsieur Namasté qui aime ça. Nous, on déteste les champignons, mon fils et moi, donc ce sera uniquement pour lui. Et on avait un arrivage d'olives, donc je pense que ça, vous les avez vus aussi. Donc, comme mon fils adore, bah, je vais vite vous les montrer. Hein. À 69 centimes, on avait pris ce petit mélange, la sauta avec un petit cocktail d'olives vertes, de poivrons et d'oignons. Également, j'avais pris un petit bocal comme ceci au même prix d'olives vertes dénoyautées. C'est vraiment pas cher. Et également, oh, ça y va les olives, hein, à 80 centimes. C'est pour ça que je me dis les dates, elles vont périmer. Donc là, on en avait pris 3 petits sachets à 80 centimes de la marque Crespo. Ce sont des mélanges d'olives vertes et d'olives rouges. Alors attention, il y a les noyaux. Et nous, on les a coupés en petits bouts. On a mis ça dans du riz et c'était mais super bon. Au niveau du scrap, j'ai pris comme ceci qui passait à 70% des petites bandes autocollantes. Je me suis dit que quand j'envoyais des petites choses à des scrappeuses, eh bien voilà, ça pouvait être sympa de leur mettre un petit quelque chose à l'intérieur. Donc ils sont revenus à 40 centimes il me semble. Toujours au niveau du scrap, moi je me suis pris des petites cartes parce que ça on en a toujours besoin, à 1,50 €, donc avec des motifs un peu très estivaux. Voilà, vous avez les enveloppes, les cartes et vous voyez, vous avez ces très jolis petits motifs. Également, alors là, c'est pareil, c'est pour envelopper des petites choses au niveau des cadeaux. Donc, à 60 centimes, j'ai pris comme ceci des petits mouchoirs. Attendez, c'est en tissu? Non, mais j'ai cru que c'était du papier, de soie, moi. Mais non, mais c'est en tissu, l'andouille. Bon, bah, c'est très joli, voilà. C'est un très joli petit mouchoir avec des fleurs. Et moi, j'ai cru que c'était du papier de soie. Bon, bah, tant pis, mais ça servira toujours. Hein. Voilà. Alors, que me dit ma boule de cristal? Que cet été, nous aurons une canicule.
Donc, en fait, j'ai pris un brumisateur comme ceci à 1,20 €. Donc voilà, c'est très simple. Vous mettez de l'eau bien fraîche à l'intérieur. Il fonctionne, je l'ai testé. Et puis ensuite, vous pompez comme ceci et ensuite, vous vaporisez. Donc, je l'ai pris pour ma belle-maman. Alors, pour moi, à 79 centimes, j'ai trouvé une très jolie petite ceinture noire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'essayer à côté et puis de vous montrer. Donc, voilà, elle était vraiment pas chère. Et puis, j'ai trouvé que c'était sympa, cet esprit un petit peu corsé. Donc, voilà, bon, à voir. Alors, vous voyez, elle se termine avec des pressions. Et donc, ici, elle est élastique. Donc, normalement, je devrais rentrer dedans. Je pense qu'avec le confinement, j'ai pas pris des kilos et je pense en avoir un peu perdu. Enfin, j'espère. Bon, je monterai sur la balance plus tard, hein? Alors, il y a des choses aussi pour ma maman dans ce hall. Donc, je le mets en plein milieu des fois qu'elle le voit. Voilà, c'est bientôt son anniversaire. Et puis, la fête des mères. Et donc, j'ai pris ce petit tissu qui sont dans ces couleurs. Voilà, les couleurs de ma maman. Alors, col décolleté, donc on passe sur le col rond. Il passait à 60%, donc il était à 3,50 €. Des petites manches parce qu'il faut pas voir les bras, et également il faut pas voir les fesses. Donc voilà, ma mère aime être invisible comme sa fille. Des fois, mon mari me dit, mais arrête d'être comme ça et de faire des blagues à deux balles. Enfin, j'étais déjà comme ça avant. Même mes élèves, ils ne savaient pas s'il fallait rire ou pleurer. Je sais qu'il y en a une qui me regarde. Alors, ici, de la marque Fa, j'ai pris un gel douche exfoliant à 2,50 €. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est le Pineapple. Alors, en fait, il sent l'ananas, la vanille. Enfin, je trouve l'ananas. Alors, oh, ça va être bien pour toucher la caméra après. Donc, en fait, il y a des petits grains à l'intérieur. Alors, bon, ils sont petits, hein. Voilà, je ne pense pas que ça fasse un gros gommage. Mais en tout cas, pour le corps, il ne faut peut-être pas graisser sa peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, pendant que la youtubeuse fait sa vidéo, Monsieur Namasté s'occupe des poubelles. Répartition des tâches. Alors, à 50 centimes comme ceci, ils vendaient des mousses, vous vous rappelez, de la marque Greenland. Alors, j'avais résisté jusqu'au bout, hein, et ben non. Et ben, au dernier moment, j'en ai quand même pris une parce qu'à 50 centimes, j'étais tentée. Et donc, je voulais vous montrer, en fait, elles sont. Regardez, ça fait pas de la mousse, ça fait de la crème, une espèce de crème onctueuse. Et en fait, elles sont plutôt le citron que la vanille. Oh non! Oh les films. Bon, ben voilà, hein, c'est fait, hein, voilà. En tout cas, bah tiens, j'ai hâte de l'essayer dès ce soir. Donc 1,80 €, j'ai trouvé un gel douche. Alors attention, cette fois-ci, je fais attention à pas faire de cata au citron. Donc voilà, de la marque NSPA. Et donc ça sent la tarte au citron. Voilà. Alors moi j'adore ça. Peut-être un peu avec un arrière-goût chimique, c'est possible. À voir au niveau de la douche, il faut tester. Alors j'avais craqué également sur des brumes. Vous connaissez mon amour pour les brumes. Et donc je viens de pulvériser celles-là, elles sont trop bonnes. Elles sont quand même assez alcoolisées. Donc elles étaient à 99 centimes. C'est une marque espagnole. Donc la sensuelle lune, voilà, comme ceci, elle s'en met hyper bon. Sur les débuts, vous sentez beaucoup l'alcool et après beaucoup le parfum. Donc c'est plutôt dans les sucrés, hein. Et celle-ci, c'est la Mystérie Lune. Voilà. Donc ah, celle-ci, elle a un côté un petit peu plus oriental. J'ai aussi craqué pour deux petites crèmes pour les mains. Donc je pense que vous les aviez vues passer à l'époque à 1,29 €. Donc c'est des produits coréens. C'était vraiment trop cute. Voilà, pour offrir. J'ai trouvé ça très très sympa. Alors, au niveau des bijoux, pourquoi j'ai craqué? Alors, à 99 centimes, j'ai pris un petit bracelet pour ma maman avec des camées comme ceci. Donc, je vous l'essaye sur le côté comme d'habitude. Il était à 99 centimes. Alors, toujours au niveau des bijoux, on avait des bijoux de la marque Nanu. Donc, j'ai juste craqué sur celles-ci parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas forcément de bonne qualité. Beaucoup étaient cassées. Comme d'habitude, je vous laissais sur le côté. Elle était à moins de 1 €. J'ai plus les prix parce que j'ai enlevé les sacs. Alors, je ne sais pas pourquoi.
D'habitude, je conserve bien les petits sacs. Et puis, une petite bague avec des petites cerises comme ceci qui bougent et qui sont vraiment très jolies. Pour cet été, je pense que ce sera hyper sympa. J'avais encore des bijoux de la marque Hippie Chic. Et donc, ils avaient comme ceci des très jolis petits colliers. Je vous le défrais, je vous le mettrai à côté. Donc, ils étaient à 1,50€. J'en ai pris un pour ma maman. Dans le cas où vous n'aimeriez pas le collier, voilà, je vous ai pris aussi un petit bracelet. Donc, vous pouvez participer pour les deux. Comme d'habitude. Voilà, pour celles qui connaissent. Sinon, je vous mets tout en barre d'infos. Alors, le jour où j'ai fait donc les arrivages, les bracelets Panama passaient à 50% et Monsieur Namasté et moi, on s'est lâchés pour Noël. Par contre, comme c'est assez long, du coup, les bijoux Babou et les bracelets Panama, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Bien évidemment, vous savez que j'ai pensé à vous. Mais par contre, j'ai acheté un petit article de décoration, donc qui est celui-ci. Ça ressemble entre une déco et un attrape-rêve avec une base arrondie macramé qui est très joli et des petites perles couleur gold. Voilà, en tout cas, sachez que c'est dans la collection actuelle. Si vous modifiez la fin de la vidéo, alors oui, la robe rococo à 4,50€ que j'avais pas pu vous montrer pendant le haul où il y avait le partenariat pour les lunettes bleues. Donc en fait, elle est colvée. Alors elle est un petit peu grande, va falloir que je la reprenne. Elle est coupée à la taille. On voit que c'est de la qualité, franchement. Elle est très très longue, fendue jusqu'à, on va dire, mi-cuisse, mais c'est tout à fait portable. Il faut que je la raccourcisse en bas. Et elle a des très jolies manches. Vous allez me dire à qui elle vous fait penser, là. Réfléchissez, cette robe, elle doit vous faire penser à une série. Voilà, avec des petites manches coupées et puis des petites manches qui vont en s'évasant comme ceci. Je la trouve super jolie, je ne sais pas ce que vous en penserez. En tout cas, je vous mets maintenant à quoi elle me fait penser. Voilà, et eh bien, je vous la porterai dans un futur haul. Si vous décidez de rejoindre notre petite famille pour avoir les arrivages Noz, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car avec YouTube, c'est très aléatoire. Également, je tenais à dire que les retours dans les Noz, c'est une responsabilité individuelle. Donc, il faut respecter les avis de chacun. Par contre, je conseillerais aux personnes dites vulnérables de prendre ces vidéos arrivages, enfin les miens, je ne parle pas pour les autres, comme des vidéos divertissement. Je vous dis tchuss, à très bientôt et prenez soin de vous. Lisa.